Et bien bonjour tout le monde, c'est Mikupai. Aujourd'hui on se retrouve sur Concrete Genie. Et on crée un monstre. Je le sens bien. Wouhou. Et c'est bon, on lui donne vie. Oh, salut! Ah, trophée obtenu, chien, chat, dragon. Trouver un moyen d'accéder à la centrale hydraulique. Un peu d'aide, c'est possible? Non! Astuce, appuyer sur le pavé tactile pour voir votre petit. Tu devais avoir faim. Trouver un moyen, ok, mais. Oui. Prêt à nettoyer les ténèbres. Ah, ok, donc ça s'est ouvert ici, ça c'est cool. Ah, je suis un. Astuce, appuyez sur le pavé tactile. Trouver un moyen. Ça rendra super bien. Oh. Genre quand même, ils se doutent pas d'un truc, les autres. Hey, c'est le barbouilleur. Mais que peut un peintre sans... son pinceau? Rends-le-moi. Viens le chercher. J'ai dit... What? Ah, les parents avant le divorce. Mais c'était quoi ça? Il s'est passé un truc? C'est rien. Allez, on laisse tomber ce gros nul. Je supporte plus sa tronche de cake. Et dire qu'il pourrait tout balancer, H, s'il le voulait. C'était... bizarre. Merci. Hydroélectricité de Denska. Mamie me parlait des expériences du professeur Lee sur l'énergie hydroélectrique à l'époque. Et comme ça n'a rien donné, ils ont tout fermé finalement. Les pauvres. J'ai eu un peu de peine pour eux. Allumer toutes les ampoules de la zone. Oh putain, il y en a trois. D'accord, j'espère que tu n'es pas allergique. N'éternue pas, hein. Chapitre 3. Alors. Bon, attendez. Oh merde, on ne l'a pas eu. Oh, attendez, il y a un truc là. Alors, faites vos bagages. Le truc choquant, c'était quand maman a compris qu'il y avait nulle part en ville où acheter du lait. C'est marrant.
Alors, attendez, on va prendre cette page parce qu'elle me fait chier avec sa son bruit. Celle-là a l'air spéciale. À m'emmerder. Je l'ai. Aïe. Ça fait mal. Le seul moyen d'éliminer ces plantes est d'allumer toutes les ampoules dans le coin. Et merde. Je suis à court de super peinture. Qu'est-ce que c'est? Ah, une nouvelle gueule de monstre. Et merde. Oh. Allez, ramène. Allez, viens, connasse. Super. Les pages de paysage sont indiquées sur votre carte. Les pages de génie sont plus difficiles à trouver. Ouais, bah tu m'étonnes. Oh. Un arc-en-ciel, c'est joli. Ah, trop obtenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le jeu est LGBT friendly, du coup c'est sympa. Ouais, c'est sympa, hein, c'est cool. En plus, regardez, il y a un arc-en-ciel avec une lune. C'est trop beau. Ah. Faut vraiment que j'arrête de faire des bruits comme ça, c'est très gênant et bizarre. Wouhou. Ça a pas l'air de marcher ici. C'est joli. Il faut que je trouve quelles ampoules j'ai ratées. Allumer toutes les ampoules de la zone. Besoin d'un coup de peinture. Oh là là, on se demande quelle ampoule on a raté, hein. Vraiment. Il faut de la super peinture pour nettoyer ça. Bon, les monstres, les génies. C'est quoi ce truc-là? Mais oui, quelle est cette chose? Quelle est cette chose? Ah bah ouais. Ah, il a réussi à m'avoir, le jeu, il m'a eu. Ah, il m'a troll. Vous pouvez déverrouiller le contrôle de la caméra de peinture depuis le menu accessibilité. Attendez, il y a peut-être un truc à faire là-haut. Pas du tout. Par contre, c'est joli. Eh oh. Allez, ramenez-vous les copains. Ramenez-vous les enfants. Wow. Deux à la fois. Doucement, mon vieux. Putain, ils sont rapides ces cons. Ouais, comme... Attends, quoi? Oh, c'est que ça pique ce truc. Miam miam. Trophée obtenu. Oh merde. Alors, t'en penses quoi? Ces arbres seront très bien ici. Quels arbres? Ouais, celui-là. Bon, vous avez encore d'autres trucs, les monstres? Merci pour la super peinture. Voilà. Oh, on l'a calmé le truc. Zone terminée, 1 sur 3. On a fait quand même une lune qui pète des arcs-en-ciel, hein. Des arcs-en-ciel. Osez me dire que ce jeu n'est pas réaliste. Et putain, ma jambe fait que de claquer, ça fait mal. Je souffre. Monter sur les toits. Voilà, comme ça la beauté de notre air reste ici. Et putain de merde, c'est dur. Super peinture à sec. Pêche.
Bon, monter sur les toits, c'est cool, hein, les mecs, mais... Pouvez-vous m'expliquer comment je fais? Et surtout, qu'est-ce que je dois... Oh... Non, pas du tout. Ça semble vouloir dire quelque chose. Je... Monter sur les toits, merci, connard! Mais la prochaine fois, expliquez comment on doit monter. Ça sera encore plus simple. Et plus intelligent. Personne pour m'aider? Ah. Qu'est-ce que t'as, petit jaune? Tu veux un soleil, hein? Ça te convient? Canin. Je suis par ici. Venez les enfants. Venez les petits enfants. Oh putain, il m'emmerde là. Compris. Un soleil, un. Ah. Par ici. Faut sûrement faire un truc là avec ceux de feu. Pouvez-vous le brûler, messieurs? Yay! Merci les mecs. Ah oh ouais, ma page. Oh. Ouais, une télé. T'as envie de jouer, hein? Alors, quoi à la télé? Même lui, il regarde la télé. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Attends, sérieusement, c'était juste pour une activité avec un des trucs? C'est nul. En plus, il y a même pas de trophée à gagner. Ok, donc... Ah... Ok. Oh, putain. Non, mais accompagne-moi, le jeu. Ah... Ah... Yay! Allumer toutes les ampoules de la zone 2 dans la centrale hydroélectrique. Ah, je te tiens. Ah ok. Oh, une queue. Yay! C'est encore moi! Oh merde! Non mais chopez-moi! Et moi, ça compris, dans dégage de la ville! Oh, on voulait juste jouer. Il est sûrement en train de nous écouter. Ouais, ça c'est sûr. Ce mec. Ils rentrent jamais chez eux. Ils ont pas de maison, Leslie. Allez, j'irai bien casser des vitres, moi.
C'est qu'une bande de racailles, ces enfants de merde. C'est des délinquants. Essayez de m'attraper. Putain, et dire que c'est ce que je dirais si je travaillais chez CNews ou BFM TV. C'est-à-dire des chaînes de merde. Sympa, sympa de temps en temps, mais des chaînes de merde. C'est qu'un gros lâche. Où il est passé. En fait, mourrez jamais. Hé, venez me chercher. Ah bah voilà, Jean. Passé. 1 sur 5, parfait, putain de merde. Ils vont peut-être partir. Non, on rêve pas. Dégage de là, Froggy. C'est qui Froggy? Where is Froggy? Hé, hey, je suis par ici. Montre-toi, poulet. D'accord, donc il y en a que 3 là. J'avais hâte de la trouver. J'ai fini ma super peinture. Oh, de la merde de pigeon. Hein ? Du bon gros caca de pigeon. Miam. C'est dégueulasse. Surtout quand ça arrive sur des bagnoles. Ouais. Vous avez compris, vos parents ont déjà dû nettoyer de la merde de... pigeon. Ok, attendez. Du coup... Ah ok, faut aller par là. Mais est-ce qu'il y a l'art et une lame? What? Je sais que mon anglais est taché, hein, mais bon. Jugez pas pour commencer, hein, parce que c'est méchant. Voilà. 3 sur 5. Ça c'est... Redonnons quelques couleurs à ce panneau. Putain de merde. Qu'est-ce que... Bon, ça n'a pas marché. C'est peut-être le mauvais motif. Bah dis-moi, c'est lequel le bon canard ? Ça fonctionne pas. Je dois me débrouiller pour que ça corresponde. Les motifs doivent correspondre parfaitement. Il faut que ça corresponde exactement. Peut-être que je l'ai pas, hein. J'ai dû rater quelques ampoules. Ouais, je pense. Allumer toutes les ampoules de la zone. Ah! Peut-être qu'il y a des ampoules là. Non. Ah. Attendez, ici là. Employé. Oh les cons, ils peuvent pas se ramener. C'est vraiment des merdes, c'est. Yeah. J'ai jamais assez de pages. Sur la tête.
juste que tu regardes. Ouais, je m'en doutais. Compris. Et un arbre, hein. Bon, attendez-vous. Attendez-moi, j'arrive. Aïe. Eh oh. C'est très bizarre ce truc-là. Ah si, étonnamment, il fonctionne. Et pourquoi, Ash, tu es tombé, petit connard? Bon d'accord, on pourra revenir en arrière et le faire tomber par terre. On va nettoyer ça. J'aurais raté quelques ampoules? Ouais, juste une seule, mec. Faut que je peigne ça sur un mur. Pourquoi j'ai envie de passer par là? Alors que je sais que c'est la zone 3, en fait. C'est horrible. Peut-être qu'ils ne verront pas. De la super peinture. Bah merci, mais je sais pas où la mettre, moi, votre peinture de merde. Ouais, bah je pense qu'on va sûrement... s'arrêter là parce que je sais pas quoi faire. Enfin, je chercherai hors vidéo où est le dernier. Du coup, eh bien voilà, si cette vidéo vous putain, en plus ils sont juste en bas. Ces imbéciles. Eh bien voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikoupa et puis moi je vous dis au revoir tout le monde.